Alors que la guerre en Ukraine s'intensifie et que les tensions avec l'OTAN s'exacerbent, Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, dévoile la stratégie de la Russie pour contourner les sanctions occidentales. Dans cette vidéo, il expose les alliances stratégiques que Moscou tisse avec des puissances comme la Chine et l'Inde, ainsi que les mesures pour renforcer la coopération internationale. Dans ce contexte tendu, découvrez comment la Russie se positionne pour remodeler l'ordre mondial. Votre avis compte. Pensez-vous que la Russie peut réellement surmonter ses sanctions grâce à ses nouveaux partenaires? Partagez votre opinion dans les commentaires. Sur l'admissibilité des sanctions ou le caractère inadmissible des sanctions, des paramètres de travail sur la sécurité euro-asiatique et un document sur la coopération dans le domaine de la culture physique et du sport, qui est important pour les principes de l'olympisme et de ce que on essaie, de ce sur quoi on essaie d'instiller le doute ou l'ignorance. On a approuvé un plan d'action pour l'année prochaine qui contient 20 sujets, sujets d'actualité et qui permettra de développer notre coopération et nos accords sur la scène internationale, en particulier à l'ONU, ainsi que et au cours de la conférence, de la 29e conférence des parties sur la convention sur la convention cadre sur le changement climatique de l'ONU qui se tiendra donc à Bakou. Nous avons également élaboré un projet d'adresse au peuple des pays de la CEI sur le 80e anniversaire de la victoire de la Deuxième Guerre mondiale l'année prochaine. Je note également que la CEI sera déclarée comme héros de 1941-1945. Nos présidents et les chefs de gouvernement donc examineront demain un projet de programme de lutte sur la déradicalisation. C'est quelque chose pour lutter contre l'extrémisme qui ne disparaît pas. Et elle alimente le terrorisme et la criminalité terroriste. Toute une série d'éléments ont été adoptés concernant la collaboration de nos forces de l'ordre, notamment un document sur les liens de coopération liés à l'intelligence artificielle. Il y a également des questions abordées telles que la jeunesse, les organisations bénévoles, le domaine culturel, et on propose également aux chefs d'État de confirmer pour 2025, Vatchini en Azerbaïdjan, en Nagri en Arménie pour 2026 et à Maledichno comme ville culturelle en 2027. Alors, Sergueï Lebedev, secrétaire général de l'OTSE et de la CEI, va expliquer comment le secrétariat nous a aidé à parvenir à de tels succès. Merci beaucoup. J'aimerais noter le succès de la présidence de la Fédération de Russie cette année. Sous la présidence de la Fédération de Russie, nous avons entrepris des choses importantes. Mais lors de la séance d'aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui et la séance de demain ne met pas un terme à la présidence de la Russie qui se terminera à la fin de l'année. Et bien sûr, nous continuons de coopérer avec le ministère des Affaires étrangères comme structure qui répond de la coordination des activités. C'est pourquoi j'aimerais exprimer ma gratitude au comité exécutif de la CEI,
à l'appareil du ministère des Affaires étrangères, aux structures du ministère avec qui nous travaillons, et nous restons en contact étroit. Et M. Lavrov l'a dit, je ne peux pas ne pas souligner le rôle constructif du ministère des Affaires étrangères dans l'organisation de nos travaux dans le domaine de l'intégration, pas seulement pour la CEI, mais pour l'espace euro-asiatique. Que ce soit l'OTSC ou l'ESS. Nous allons travailler pour nous avons travaillé à l'organisation de la séance de la rencontre des chefs d'État et de gouvernement. Nous avons établi l'ordre du jour. Donc tout ceci a été bien préparé. Et nous apporterons demain les documents qui seront signés. Ensuite, nous aurons la réunion des chefs de gouvernement, la réunion des responsables économiques de la CEI le 29 novembre, la réunion interparlementaire fin novembre qui se tiendra à Saint-Pétersbourg. À cet égard, je ne peux pas ne pas mentionner l'intervention du président du Conseil de notre Assemblée parlementaire, Madame Valentina Matvienko, qui interviendra sur le rôle de l'interparlementarité dans la CEI. Parmi les manifestations importantes, nous avons donc la préparation de la présidence du Tadjikistan l'année prochaine, qui sera liée au 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lors de la réunion des chefs d'État et de gouvernement, nous prévoyons de discuter d'une adresse des chefs d'État à ce sujet. Et interviendra le président de la République de la Biélorussie, M. Loukachenko. C'est une décision qui a été prise parce que la Biélorussie est l'une des républiques de l'ancienne Union soviétique qui a été le plus touchée par la Seconde Guerre mondiale. Cette intervention vise à préserver la mémoire de la Grande Guerre patriotique, la mémoire des exploits des Soviétiques qui a abouti à la grande victoire. Il s'agit également de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre l'héroïsation du nazisme, préserver la mémoire et préserver les mémoriaux des héros de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce dont il sera discuté lors de cette réunion. Une décision a déjà été prise selon laquelle cette intervention sera diffusée à l'ONU et dans les autres organisations internationales. Je dirais également que en format restreint, eh bien, nous tiendrons des rencontres. Il y aura des rencontres à Astana le 11 avril de l'année prochaine. Bien que nous sachions d'expérience, et Monsieur le ministre Lavrov l'a dit, en marge des réunions, il y a beaucoup de rencontres qui se tiendront avec les responsables des ministères des Affaires étrangères de nos pays pour coordonner les positions. Des consultations se sont tenues et d'autres consultations ont été planifiées pour l'année prochaine pour discuter des questions les plus actuelles de notre coopération sur la scène internationale. Merci de votre attention et je vous souhaite à tous plein succès. Merci. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Monsieur Lavrov, on sait qu'aujourd'hui les pays occidentaux exercent une pression sur les pays de la CEI
sur la question de l'adoption de mesures de sanctions contre la Russie et quelle est la réaction donnée et comment cette attitude des pays occidentaux, en fait, on réagit très bien, je peux vous le dire tout de suite. Les méthodes qui sont utilisées par les pays occidentaux pour essayer de séparer la Russie de tous les autres pays, y compris au sein de l'espace ex-soviétique, on peut dire que ce sont des sanctions secondaires, ternaires, etc. Parce que à certains, ça ne plaît pas de voir des pays qui sont indépendants et qui réussissent à travailler entre eux. Donc cela n'a absolument aucun rapport avec le droit international et les mesures que nous prenons pour assurer et non pas maintenir, mais plutôt augmenter nos relations économiques et commerciales en volume avec nos partenaires, tout cela s'inscrit pleinement dans le droit international. Il est question de mécanismes de marché, de concurrence loyale, et tous ces postulats de la mondialisation que les pays occidentaux ont promu comme éternels ont été piétinés par les pays occidentaux. Et aujourd'hui, nous défendons le principe de la coopération entre notre pays, et c'était le cas dans le passé, et ça continue à l'être. Vous avez beaucoup parlé, M. Lavrov, d'un monde multipolaire. Comment cela se fait aujourd'hui avec nos amis, nos partenaires au sein de la CEI? Sur le territoire des pays de la CEI, je dis, nous avons mis en place un centre de multipolarité qui naît et qui se confirme de jour en jour dans la vie internationale. C'est une étape importante, je dirais même centrale de l'Eurasie, de la CEI, et ça fait partie de l'Organisation de coopération de Shanghai, de l'espace économique eurasiatique. C'est une coopération que nous gérons entre ces différentes organisations et qui est de plus en plus concrète. En fait, par là, sur le plan pratique, entre la CEI, l'Organisation de coopération de Shanghai et l'espace eurasiatique, nous avons ici les pays les plus importants, à savoir la Russie et la Chine, qui travaillent aussi avec l'Inde. Donc là, il y a une approche qui se poursuit dans l'espace eurasiatique, cet espace considérable qui se matérialise de plus en plus, jour après jour, pour apporter des bénéfices pour nos pays et pour nos peuples. Je vous remercie. J'ai oublié autre chose. À propos des menaces, qu'est-ce qui menace aujourd'hui nos relations d'amitié, de coopération? Aujourd'hui, rien ne menace ces relations. Nous avons des relations qui se développent de façon stable et progressive. Et les États-Unis, leurs satellites, cherchent à étendre leur pression par le biais de sanctions qu'ils appellent secondaires ou tertiaires, etc. Mais en tout cas, cette activité criminelle, nous y réagissons et nous travaillons en conformité avec le droit international et nous continuons à renforcer l'économie de chaque pays de la CEI avec un PIB qui augmente dans chaque pays, mais aussi le volume des échanges, le volume des investissements entre nos pays. Fin de la conférence de presse. Merci pour votre participation. Les propos de Sergueï Lavrov mettent en lumière une stratégie claire de la Russie, transformer les sanctions occidentales en opportunités en renforçant ses liens avec des puissances non occidentales, notamment en Asie. Toutefois, il est légitime de se demander si cette nouvelle dynamique, fondée sur des alliances stratégiques avec des pays comme la Chine et l'Inde, sera suffisante pour compenser l'impact économique et diplomatique des sanctions de l'OTAN et de l'UE. Lavrov insiste également sur l'importance de préserver la mémoire historique soviétique et les valeurs de l'olympisme, soulignant une volonté de renforcer l'identité nationale russe face aux influences extérieures. Cela soulève une question cruciale,
la Russie peut-elle réellement s'affranchir des conséquences de son isolement en se tournant vers l'Est, ou ses pressions internationales finiront-elles par l'affaiblir davantage? En fin de compte, il est essentiel de rester vigilant face aux évolutions géopolitiques. Les alliances stratégiques, bien qu'importantes, peuvent parfois s'avérer fragiles. Quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur la stabilité régionale et mondiale? Je vous invite à réfléchir à ces enjeux et à partager vos idées dans les commentaires. Votre point de vue est précieux, pensez-vous que la Russie réussira à naviguer dans ces eaux troubles et à trouver un équilibre face à l'Occident? Discutons-en.